Hey yo tout le monde, c'est Narciso aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Alors Planet Coaster, qu'est-ce que c'est? Bah c'est un jeu où on fait son parc d'attraction. Hop, pour lancer un mode carrière et la bêta du jeu est sortie. Donc ouais, j'ai joué à l'alpha, maintenant je joue à la bêta. C'est ça. Exactement. Et je vais vous montrer en fait le mode carrière. Ah, il me semble que c'est ça. Non, c'est celui-là. Voilà. La musique est géniale. Voilà. Alors, et en fait, dans ce niveau, je voulais vous montrer un truc de ouf, vu que je peux pas streamer le jeu en fait, parce que ça coupe le stream à chaque fois. Le réveil de la créature. Victime de nombre de rumeurs faisant état de disparition suspecte d'employés, ce parc a été mis en vente à un prix défiant toute concurrence. Alors embauchez du monde, terminez le chantier, ne faites pas attention au bruit étrange qui monte des entrailles de la terre. Il n'y a aucune raison de s'en faire. Alors, regardez-moi ça, ça vous rappelle pas un film ça? Hein, genre, je sais pas moi, au hasard, Star Wars. Et là vous voyez qu'il y a une attraction qui passe sous le parc. Et on va la faire, on va les faire en vue intérieure. Et en fait, bon, quand on zoome, on voit que c'est un peu dégueulasse, mais quand on est vraiment de loin, c'est vraiment stylé. Alors, l'entrée de ce manège, où est-il? Waouh, mais c'est trop famous. En fait, tout le parc, il est sous terre, c'est ça? Ah, ça, c'est l'entrée du parc, d'accord. Ah, mais c'est génial. Ouais, mais attendez, parce que moi, j'ai vu... Elle est où l'entrée de ce parc? L'entrée du manège, je veux dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont foutu de stocker partout. Ah bah il est là le manège. Waouh, il y a du monde à ce manège. Bah regardez, hop, on va se mettre en vue. Est-ce qu'on peut au moins? Oui, on peut. Ah le son il est gigantesquement fort. Normalement on peut baisser le... Vitesse du train, 11 km/h, ouais. Normalement, il y a moyen de baisser le... Pardon. Voilà, volume. On va le mettre à 38%. Voilà. Regardez, c'est mon papa qui conduit. Oh, ça a l'air bien, waouh. Waouh, on va être les prochains à partir. Vous allez voir le décor de ouf. Je l'ai pas fait, hein, donc je découvre en même temps que vous. J'ai vu qu'il y avait un décor sous la map. Donc on va voir ça. Ah, d'accord, bon. J'ai un nouveau papa. Génial. Ah, j'adore ce jeu, il est génial. On peut y aller, madame? Je sais pas que ça fout, moi. Oh, c'est génial, j'adore, c'est génial. Bon, allez là, voilà là. Voilà, c'est bon, on est parti. Vous allez voir le décor génial, regardez, rien que ça, tu vois. Rien que ça, c'est génial. C'est genre, c'est mon papa qui conduit. Eh, hey, t'as l'air chaud, hein. Regardez, rien que ça, regardez, il commence déjà à avoir du décor et tout. Et attendez quand on va arriver en bas. Oh, les torches qui se déclenchent et tout. Faut que j'apprenne à le faire, ça. Donc ça, la porte Planet Coaster, et là, ça y est. Ça me rappelle Europa Park, en fait, dans le bateau pirate, pour ceux qui connaissent. Donc là, déjà, il y a les pirates et tout. Et là, regardez, le monstre, on commence à voir le monstre. Hop, on repasse une porte, et là, c'est la catastrophe. En fait, il y a un monstre dans la grotte. Putain, mais faire tout ça, c'est tellement simple à faire en plus. Il faut juste prendre énormément de temps. Putain, j'ai trop envie de le faire. Franchement, si vous êtes tenté, moi je suis chaud, mais je suis obligé de le faire en vidéo en fait. Parce qu'en live, ça plante à chaque fois. D'ailleurs, y a un live après. Mais rien que ça, les décors, le décor il est génial, quoi. C'est que des petites choses pour l'instant, mais c'est... Ça change tout. Les gens, ils doivent kiffer. Et ça, c'est le mode carrière, hein. Imaginez ce qu'on peut faire en mode libre. Donc là, on passe là où je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit le trou, là. Avec mon petit papa. On continue à descendre. À mon avis, à la fin, on va voir le monstre. Donc là, encore une porte. La porte s'ouvre. Ça, tout ça, c'est des déclencheurs, je crois. Donc le tentacule, oh, qui va juste au-dessus de notre tête.
C'est trop bien fait, moi j'adore. Je suis fan. Donc encore une porte. Cette fois-ci on passe juste à côté du trou où il y avait les tentacules. C'est ça que du manège, waouh, du manège c'est fantastique quoi. Oh. Je vais faire ça comme bruit. What? Ah c'est des œufs. Ouais t'as même des bruits dégueulasses quoi. Il y a des œufs et tout, putain c'est trop bien foutu. Mon papa il a l'air chaud là. Ah par contre quand c'est rouge comme ça c'est pas bon. Ah c'est trop bien foutu. Ah je crois que c'est la fin du manège non? Déjà tu crois? Non c'est pas fini. C'est jamais fini. Ça se dit qu'il y a de la lumière qui s'allume d'un coup et on voit le monstre. Ah bah oh, oh. Bah voilà. J'avais marre d'avoir raison. Merde, m'a fait flipper de ouf. Oh merde. Là c'est fini par contre. Putain, le manège était génial. Ah oh, putain, c'était fantastique. C'était fantastique. Ah ils ont mis des haut-parleurs d'accord, c'est pour ça qu'il y a de la musique. Wouah, et pour ça il y a de la queue de ouf hein. Regardez-moi ça. Ils ont peut-être pas fait une queue assez grande par contre, mais... En plus il y a une truc VIP. Les visiteurs pensent que le temps d'attente pour le Kraken Slayer est trop long. Ouais, je suis d'accord, mais bon, j'ai pas trop le choix. Alors, engager deux employés techniciens de surface. Alors déjà, où est-ce que c'est dans la gestion du parc? Deux concierges, c'est ça? Putain, mec, il a déjà oublié. Deux techniciens de surface. Techniciens de surface, donc un, on va le mettre ici. Et un petit deuxième. Ici, voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, attends, what? Important, j'ai rien d'important, ok, d'accord. Construire deux attractions. Donc là, on va construire encore une attraction. Ah, il faut des animateurs aussi. Et des... mécanicien, donc on va engager tout ça maintenant. Donc deux mécaniciens, ça va être facile. Donc, mécanicien et des animateurs. Alors les animateurs, King Coaster de luxe. On va mettre la la Cosmic Co, elle est marrante, regardez. Elle se balade sur ses couilles. Oui, oui. Ouais, salut, je m'ai mis sur ma couille. Donc ça. Et on va mettre le pirate aussi. Génial. Bah voilà. Donc c'est deux, c'est tous les trois objets qui sont faits. Maintenant il faut qu'on soit une attraction. Alors l'attraction je pense que c'est les petits trucs. Ouais c'est ça. Alors on a quoi? On a le forge, le kickflip, le psychola, le rocktopus. Celui-là il a l'air de bien fonctionner. Alors on a plus qu'à voir où est-ce qu'on le fout celui-là. Bon, on va le foutre là. On va le foutre là. Alors l'entrée se fera ici, la sortie ici. Ah attendez, attendez. Je pense que c'est pas une bonne idée, je pense qu'on devrait... Alors attendez, longueur, largeur, on va augmenter la largeur. On va faire une vraie queue. Allez, on a la première étoile. Le réveil de la créature, tac. Ensuite, on a à construire 5 attractions. Ok. Alors déjà, celui-là, on va le tester. On va modifier les couleurs. Ah bah les couleurs sont déjà pas mal d'une archi-chaud, en fait. Ah ouais, d'accord. L'octopus, l'octopus quoi, tu vois. Normalement, on peut changer. Alors, attendez, volume déjà, on va le baisser. Orchestre élémentaire, deuxième partie. Scientifique dérangé. Sky Ace, Spear of Fear. Écoutez, on ouvre, c'est parti.
Moitié de place, activer le passe prioritaire, non. Entretien, c'est bon. Demander une inspection, pas besoin. Séquence, rotation, sommet, chute. Ah, oh! Tu peux modifier. Oh, tu peux modifier. C'est toi qui décides comment tu veux que ça. Rotation inversée déjà pour commencer. Chute mise en scène. Chute importante, fausse chute, rotation sommet. Rotation inversée, on va faire rotation rapide. En fait, c'est toi qui choisis comment il va se déplacer, quoi. Putain, ils ont super bien foutu. Et tu peux regarder l'état de l'attraction en test, en fait. Faut le tester, tu peux pas l'ouvrir directement. Ouverture impossible, l'attraction n'a pas encore été testée. Donc là, il va tester ce que j'ai dit. Si ça passe, c'est bon. Si ça passe pas, bah. On est eu. Donc là, hop, on a la chute mise en scène. Après, on aura la chute importante. Voilà. Ensuite, on a la fausse chute. Normalement. Ou alors, c'est la rotation au sommet, ça. Ouais, c'est la rotation au sommet. Non, c'est la fausse chute. La fausse chute. Alors, ensuite, après fausse chute, on a la rotation, la chute importante, etc. Donc, on va accélérer. Il fait jour. On a fait des bénéfices, nickel. C'est bon, on l'a testé là, déconne pas. Voilà, donc maintenant qu'on l'a testé, on peut l'ouvrir. Donc on ouvre l'attraction. L'attraction est ouverte, donc les premiers vont arriver. Regardez, hop. Oh non, elle a peur, la gamine. Pourquoi personne n'y va? Vous avez peur ou quoi? Ah, ça y est, des gens, ils y vont. Alors, hop, on va rétablir la vitesse normale. On va rentrer dans la vue de cette dame. Voilà, donc... ouf. Donc, une sortie entre amis, j'imagine. Pouah, moi, je vois ça, ça m'inquiète direct. Mais en fait, je le trouve super lent, le manège. Donc, tac, on va s'asseoir où? Hop, on s'assoit là, avec tout le monde. Ah, ça lance direct! Ah, d'accord. Traction, y'a rien que pour nous, quoi. De loin, ça donne ça. Ah ouais. J'adore. J'adore. Et pourtant, c'est de la merde, ça. Cette attraction-là, c'est basique. Tu sais, mais tout le monde est là, en fait. Et à chaque fois... Oh, ici, on va faire un truc. Ici, on va essayer. On va essayer de faire un truc, en fait. C'est quoi ces trucs en bois, ça? Où est-ce que c'est, le truc en bois? Ah, c'est pas vraiment du bois, c'est plus celui-là? Non. Celui-là? Non. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je me demande comment je peux faire. Ah, bah comme ça, c'est bien. Par contre, ouais, voilà, un truc plutôt comme ça, ce serait bien. On est bon là. Ça on détruit. Vous allez voir pourquoi. Ouais, mais vous aussi vous abusez. Comme ça, comme ça. Voilà, ça c'est le rond-point. J'ai jamais appelé ça le rond-point parce que je fais ça dans tous mes parcs, en fait. Genre à chaque vu que c'est des parcs à thème que j'ai, je fais des trucs comme ça, en fait, des sortes de rond-points. Au milieu il y a un décor sympa. Donc ça c'est fait. Par contre ça coûte la peau du bruit. Ensuite on va faire quoi? Ensuite je pense qu'on va hop, on va partir sur un truc comme ça. Pour rejoindre, en fait, ça. Voilà, pour rejoindre ça. Donc ensuite on va faire une autre attraction. Putain, il m'en faut 5 d'être attraction. Ensuite il y a le kickflip. Alors celui-là, celui-là il me donne tellement pas envie. L'entrée à l'arrière, la sortie à l'avant.
Le décor, on va pas en mettre pour l'instant. Sinon, la vidéo va durer 20 heures, en fait, tout simplement. Là. Elle va être beaucoup trop longue. Bon, on va faire un truc simple. Ah, c'est. On décide encore. Rotation vers l'arrière, attention. Change vers l'avant. Ah, mais t'es obligé de tester. On va le faire en accéléré. Ah ouais, mais en fait c'est violent ce truc. Tu meurs 5 fois quand tu fais ça. Passer un bon moment. C'est bon? Allez, on l'ouvre. Donc, ça c'est la troisième. On a combien de visiteurs? 369. En fait, ça serait pas mal d'agrandir... D'agrandir ça là, la file d'attente, pardon. Agrandir la file d'attente, mais en fait, faudrait la couper ici. C'est ce qu'on va faire, on va la couper ici. C'est un peu trop grand ça, monsieur. En plus, il me faut le truc en bois, je sais même pas si je les ai, les trucs en bois. Ah, je les ai pas. Triste ou pas? Mais attends, c'est la queue ça, non? Ouais, file d'attente. Voilà, si je l'ai. Regardez, hop, on fait ça comme ça. On fait une vraie file en fait. Hein. Vous sommes du parc plus 5. Oh putain, on a gagné 4 000 $ de plus quoi. C'est pas mal. Après, la question c'est comment on va rejoindre là-haut. Je crois qu'on est trop haut là, non? Ah non, ça va. C'est pas bon. On est pas bon. Alors si je fais un truc. Oh putain, si je fais un truc. J'essaie de voir. Je tourne ici. Je crois que c'est le plus dur dans le parc ça. Ah c'est bon. Oh putain c'est beau en plus. Ça c'est nickel. Hop tac 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 tac. Allez on peut l'ouvrir. Ça y est c'est ouvert. Normalement ils vont tous revenir. Voilà ça ils reviennent. Ceux qui ont le pass ils passent comme ça. Ils sont prioritaires. Les autres ils font tout le tour. Ça sera mieux en fait. On pourra mettre plus de gens dans la file d'attente. Donc les gens vont aller là. Putain il y a déjà du monde pour ça quoi. Il y a du monde partout ça craint. On va pouvoir ajouter une attraction. Avec le psycho machin. Bon, regarde, fuck le cerveau celui-là. On vient là. On met la sortie là-bas. L'environnement, est-ce qu'il nous montre ce qu'on a débloqué? Pas du tout, moi, c'est pas grave. On va laisser comme ça. On va l'ouvrir. Normalement. Alors s'il y a des gens qui vont venir le tester. Oh regarde trop bien. Celle-là est géniale. Donc ça. Donc on en a combien? On en a 4 hein. On a 4 attractions. Est-ce que je peux faire l'attraction sur rail? Oui. Remorqueur. Sauf qu'il coûte la peau du cul. Il ressemble à quoi en termes de... Ah ouais d'accord. Ah ouais ok d'accord, c'est les bûches mais version... Ok d'accord. Et en montagne russe on a quoi? On a rien, ok d'accord, super. Donc attraction sur trail, on a celle-là mais elle coûte trop cher. Faudra attendre le lendemain en fait. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors j'ai quoi comme alerte? Bilan de fin de mois, ok, plus 4000. Plus 4000, plus 1000. Ah oui. Ah, le temps d'attente pour le Kraken Slayer, il est beaucoup long. Il est extrêmement long.
Ma foi, pourquoi pas. Alors, gestion de parc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Animateur, hein. Finance, vu dans son finance, ça serait pas mal de. De faire du marketing. Alors, on va faire un article. Du marketing sur. Une émission débat de fin de soirée. Mission horaire grand public. Ouais, je pense que c'est mieux de faire ça. Mania du marketing, ok, nickel. Par contre, j'ai. Pourquoi ça me. Ah non, en fait je crois que dans 30 jours il va falloir payer 5 000, non, c'est ça? Ou alors c'est à la fin. À la fin du pourcentage on doit payer. Pas renouvellement par contre. Et une autre moins chère sur les réseaux sociaux. En vidéo virale, c'est pas mal ça. Donc normalement ça devrait nous ramener plus de monde. Déjà on est à 852 personnes. Donc, visiteurs adultes, adolescents. On a pas mal d'adolescents quand même. C'est pas mal. Putain, la file elle est déjà pleine pour celle-là quoi, ça craint. Ça craint, ça craint. Bah écoutez, pourquoi pas, on va rajouter une attraction du coup. On va mettre Octopius ou Virgrig. Ouais, la ouf ça là, on va mettre celle-là. Je sens qu'elle est méchante celle-là. Je sens que celle-là, tu l'as fait, t'as un peu mal au cul. Hein. Allez, encore une personne. Donc là, on a construit la cinquième attraction, c'est pour ça qu'on a eu ça. Et bientôt, on va avoir assez de personnes, donc on pourra arrêter en fait. Par contre. Donc là, on a fini la carrière en fait, voilà, tout simplement. On a fini la mission de la carrière, donc la prochaine, je l'ai pas faite. Ni celle-là d'ailleurs, donc hop, retour au menu principal, donc voilà. Donc juste, c'était en fait tout ça, c'était pour vous montrer l'attraction qui était super, extrêmement fun. Et vous voyez, il y a tout un tas de carrières, de modes carrière. Donc, par exemple celle-là, maintenant on est à la baie des pirates, qui a l'air géniale d'ailleurs. Sinon t'as le conte de fées aussi. Oh putain, ils ont géré leur machin. Hein. Le décret royal de Coaster King. Micmac scientifique de Dekrex. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que le jeu est vachement sympa. Les devs me l'ont filé. Ils m'ont filé l'alpha et la bêta, donc ils sont super sympas. Ça et le jeu coûte. Il est à 38 euros. Il est à 38 euros. Mais franchement, il vaut le coup. Ils font des mises à jour quasiment toutes les semaines. Ils ajoutent énormément de choses. Il y a énormément de possibilités. Je vous ai pas tout montré là, mais. Une promotion. Mais genre c'est énorme. Vous avez atteint le rang de stagiaire du parc. Merci. Ensemble de carrières. Ah bah voilà. Ok, en fait on débloque des carrières après quoi. Ok. Conte de fées de la princesse Amélie. Bah c'est nickel. Du coup les gens, on se retrouve pour un prochain épisode si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire un live encore, si ça s'arrête, bah je recommencerai en vidéo en fait, voilà. Donc je vous fais des bisous, à bientôt. Ciao.